Thank you.
Et 45 minutes à l'UNESCO Barna. Hein? Désolé pour ces 45 minutes en off. Hein? Vous l'avez sûrement vécu avec des asticots et nous en excusons auprès de vous, chers téléspectateurs sur Zakop TV. Et bonsoir à toutes et à tous. On est plus que heureux, certes nostalgique, hein, de ce milieu, hein, loin de ces objets tels que les tribunes, la pelouse, les ballons, mais également des joueurs qui se font plaisir. Ouais. Xamna ibu wad mom xonjam la doon bañ way ay xërem lay mujjé am ay xërem lay mujjé am way et nous en excusons auprès de vous. Maintenant on va revenir ou bien on va attaquer le vif du sujet. Bonsoir à nos auditeurs de Saint-Kaba sud, Saint-Kaba nord, Altieri montagne, Kër Serigne Louga. Mais également les Medina, que ce soit Medina Salam, Medina Garage, mais également Touba Seras. Vous qui nous écoutez partout à Louga, bonsoir. On est au Stade Al-Bouri Ndiaye. Nous sommes le mardi, nous sommes le 28. Et Marwat fait face à Giancarlo. Giancarlo, oui, Giancarlo de Sigue, Giancarlo de Padel Tandjan, Giancarlo de la liste est longue. Oui, depuis la défense, on a joué avec quelques risques, mais quand même, c'était pas du tout dangereux. Pour le moment, il est superbement dangereux. Ce dossard numéro 10, Kérok Monfi Yengel Yengou, le crochet intérieur, il va amener le cuir. Attention, il faut faire le marquage et la passe. Et c'est dedans. C'est l'ouverture du score de Giancarlo. Après ce but refusé, il n'a pas attendu plus de 10 minutes pour véritablement marquer un but qui est valable. 1-0 pour l'AC Giancarlo. À la 52e, Giancarlo qui mène désormais par 1-0. Devant Marvat, et c'est le Saïsaïbi qui... Que vous entendez du haut des gradins. Et merci à Serigne Diaw, le président de la zone de Nguidile. Et le buteur n'est personne d'autre que Elhadj Lamine Yad. Elhadj Lamine Yad qui n'a laissé aucune chance au portier ce soir. Et désormais, c'est... Chersileux qui est déjà debout, hein, probablement pour amener quelques rectificatifs, mais quand même c'est l'ouverture du score. Marbat est mené par 1-0 et nous allons revivre les moments forts, le crochet intérieur, quelques moments de panique dans la défense, la passe et pas de difficulté pour ouvrir la marche. On peut également le bas. Giancarlo way tank na yang koy wax de koy wax yoy day am ci esat koy day am wara dugalo et sinon suwi Aliou Marbat mo dominé won mais dugalul finalement mbiri Wenger ñiku ñu mujjé ko dugal. Giancarlo Sigalo re mune rek gena tax ngay re tan du metti eh bonsoir à toi Sigue acha mo ngi nonu Gore Diop
du côté de Marbata Mamadou Mamadou Moustapha Mbacké Sidi alias Papa, le dossard numéro 9. Boubacar Bodian, le dossard numéro 7. Baye Moudou Sow, le dossard numéro 18. Mamadou Bebal Bouka Baldé. Khalifa Dian, le dossard numéro 17. Blaise Gomis, le dossard numéro 13. Lamine Louga Djemé, le dossard numéro 14. Mamadou Diara, le dossard numéro 2. Cheikh Valoir, le capitaine emblématique, le dossard, et dossard numéro 5. Fidel Sagnan, le dossard numéro 6. Samba Fall, du côté de Giancarlo, dans les vues. Abdou Khadir Djey, ouais, le dossard numéro 2, Sama Wadi. Khalil Cissé, le dossard numéro 5. Papa Abdou Ndiaye, le dossard numéro 3. Le buteur, LH Lamine Yad, le dossard numéro 14. Serigne Fallou Mbacké Sow, le dossard numéro 4. Pape Modou Keita, le dossard numéro 9. Moustapha Nyan, le dossard numéro 12. Pape Djibi Touré, le dossard numéro 10. Elhaji Babacar Diakhaté, le dossard numéro 6. Daouda Bey, le dossard numéro 20. Voilà, les 22. Les 22 acteurs pour le moment. Et ni. 1-0 pour Giancarlo. Mais c'est pas encore terminé. La rencontre est loin de l'épilogue. La passe en profondeur pour Gore Neymar. Gore Neymar, le centre en mouvement contré. Il l'avait bien mis. Il l'avait bien mis. Alors que papa pensait que Nifilo Koy Indi. Alors que papa pensait ni Filo Koy Indi. Mais demeul nonou. On est à la 57e. On est à la 57e. Marbat est mené. On va suivre le corner. De la gauche vers la droite. C'est parti au premier poteau. Dégagé par le Sadio Mané du côté de Giancarlo. On va suivre l'action. La passe pour Cheikh Falloir. Khalifa Mouy Moudié ñeu jël ko tek en profondeur. Contré. Alors que Lamine Louga Djemé va se battre pour récupérer le cuir. Il a servi Bouka, qui va temporiser. Bouka, il va faire la passe pour Cheikh Falloir en format raquette. Oui, Koudiar école football, do wan say kan ginnaw wala kan wa adversaire di wolbetiku do wiagal raquette. Gore Neymar dans ses œuvres, il va accélérer et provoquer la défense. Gore. Waouh, ça c'est du blocage. Entre deux, il a voulu s'infiltrer. Il est très technique et très efficace en termes de dribble, Gore Neymar. Et pour le moment, ses dribbles, ses beaux gestes n'ont pas encore fleuri. 1-0. N'ont pas encore fleuri. Couvrant pour Marbat avec Cheikh Falloir. Comme toujours, s'il y a un couvrant, il faut s'attendre à Cheikh Fall. Mais peut-être pas. Pas sur cette. Pas sur cette balle. Acha. Oui. On va suivre le coup franc pour les verts et blancs de l'AC Marbat. Ils sont tous à l'assaut. Y compris le tireur des coups francs, jadis Cheikh Fall, remet Khalifa. Oui, 5m50. Khalifa qui s'est. Khalifa qui s'est illustré, mais malheureusement. Beaucoup de balbi. Et du coup. On va devoir refaire les choses du côté de Marbat. Acha, un très long dégagement dévié de la tête. Bataille, c'est pas encore terminé avec Lamine Louga Djemé. Le contrôle, on va revenir rapidement. La passe en profondeur manquée. La réplique, tout semble passer par Gore Neymar alors que le cuir a été intercepté par Abdou Khadr. La passe en profondeur, c'est pas terminé. Le tacle. Et nous au moment opportun, on va suivre. Ouais.
Khalid Khalid de bu rombe ne boko ne set dana ko idalé Khalid mi ngi non di wacc dana aksi fi mom fepp lay ñew dina aksi fi nanka déviation de la tête on va suivre devier à nouveau ñu xolali avec Cheikh Fall qui va continuer à se battre pour chasser perte de balle rapidement avec Gore Neymar Gore dans ses œuvres le crochet intérieur de Gore Neymar le centre ay day di da way centre bi dafa tang lol centre bi dafa tang centre bi dafa tang lol Centre bi dafa tang lol mais nak il a fait encore il a fait ce qu'il avait l'habitude de faire Gore Neymar hein Il a fait ce qu'il fallait faire, Gore Neymar, sur cette action, alors que le joueur est au sol. On va attendre quelques moments pour que Fadj Guiwer... Bonsoir, nous sommes tous les gens. Nous savons que nous sommes dans l'école de Ndada. Nous sommes tous les gens de Ndada. Souleymane dans l'école de Ndada. Moumouad dans l'école de Ndada. Manikindari qui est mon ami, chaque fois dans l'école de Ndada. Donc mi ngi non motax mu téla bay dem ci commerce gi ah yow ku bax nga moy gor nga garmi nga fana la trop ndax réseauman nga mo xamé na jang mi doxul da nga tél dem réseau ba japp sa njamu donc c'est le bégué à toi moy bonsoir on va suivre papa ayya la frappe non cadré de papa Sedi La frappe de papa non cadrée. Acha. On va patienter. Peut-être changement il commence da xanté. Ebuka qui capte le cuir sans problème. De très long dégagement loin devant. Xamna bu goor done ñu xol papa. Papa Sedi qui va se retourner papa et faire la passe, le contrôle. Ragaj la ko def tié enveloppé. Omar Badi quand il xana de leen sori de vue. Fagn koy door sori na de koy door sori na Pap Sidé ngi ñew Marwat e mené Gore Neymar nga fédi yëngël perte de balle et la récupération avec Cheikh Fall rapidement joué tout ce gore len jamaat ce gore len jamaat gore face à face le crochet da koy dindi dindi wat ko tej torop torop le man torop Gore Neymar torop Alaji Mika c'est le rebégué on va suivre le corner dans la boîte personne ana ciugal bi le mbeuk koto mo na de Mika ciowle fi ne way ya fi ne man defar na sama auto ba pare limousine la loué comme ça buñuy dem kebemer mika la la wax ci grain de sel ñewul dans les détails on va suivre grain de sel bi on va partager ça en direct da sama way nga mënuluma la dara ya fi ne donc mika eh mika non lay dépasser pour man sax lenen nga may wax man xawma borom grain de sel de man mika la xam mika mi traité kay ci dëkk mika sante ka di traité kay boko traité wol ci grain de sel tamit do nga traité ci grain de sucre kon mika ya fi ne acha la touche loin devant contrer et ça va sortir non
sorti. C'est déjà sorti. C'est déjà sorti. Aja, Fall. Bataille. J'ai été gagné avec Cheikh Falwar, le centre au deuxième poteau, Abdou Khadr. C'est pas encore terminé. C'est pas encore terminé. Djakhagoul à la lutte. Sortie de balle. Sortie de balle. En touche. Sortie de balle en touche. Aja. Ñu xolandi may merci ki daan jël ndar dama di deug turum xamna bopum han la yi gis leer am ñu jariñ yor bu digam lu wax mu dugg ak ay xartam yi ndoxon ci bay leen toj may leen jamm acca on va revenir la frappe de gore de vité c'est pas encore terminé. En tout cas, Marbat, ils ont fait monter d'un cran leur bloc d'équipe, espérant peut-être revenir au score. Parce qu'il n'y a qu'un gagné taille dans les tocs. Sauf réserve ou à la Unimel. Aja, Malban traîne Kibir, le passeur décisif lors de la rencontre entre Ndiambour et Douane, le jeu sans ballon. Il l'a esquivé. On va revenir dans les airs. Bayo qui gagne le duel. C'est pas encore terminé. Le crochet. Mon retour. Allez, ça c'est du tout de fesse. Le Pape Djibi Touré. Mon retour de Pape Djibi. Le Falendi. La touche. Loin devant. Dévié. Voilà un coup de tête. Le contrôle de qui. Ouais, ballon manqué, on va revenir, ou bien on va suivre à nouveau le tiki-taka réussi, le centre en mouvement, le jeu sans ballon de Bayo, papa qui s'est retourné, Bayo, là, entre Bayo et papa, entre bref, vitesse et précipitation, ni l'un ni l'autre n'a réussi, la bonne passe de Papa Djibi, on va revenir derrière pour construire, des dindi ben Niar, acculé par Khalifa, l'avantage. L'avantage laissé par l'arbitre, Pape Sidi Samb dans l'entrejeu, Gore Neymar, le dédoublement, il a réussi l'appel contre appel, il l'a lancé, Pape Sidi, passe au défenseur, Pape Sidi, la frappe repoussée à nouveau, et les rouges et blancs de Giancarlo Dizniet à la fois, il mène au score et Dizniet. Mamadou Diarra, oui, Diarra, hein, Mamadou Diarra, le dossard numéro 2. Mais pour moi, il y a un bon talent, il y a un petit peu de monde, il y a un grand homme. Aïcha. Karim. Karim, je suis venu à l'hôpital, pour le moment, c'est du 1-0. Hein, Marbat est mené. C'est ça. Il y a des gradins aussi. Il y a. Ouais, Sidi peut-être qui se rappelle de ce moment. Pour le moment, la Kna Tchahi Boubouyag. Parce qu'on a gagné une rate de Réna. Une rate de Réna, mais quand même, on va voir. La touche en formant corner. Dégagé par Touré, Khalifa. Pour personne, sinon, perte de balle. Attention. Contre.
contre bi mu jaar fofu fala mu jeyar fofu ñi téré contre bi fofu la mujjé jaar mais Jibril et bonsoir à la famille Cissé à mon ami et frère papa Jimmy Cissé mais également à notre cher papa le doyen et ancien gendarme Père Cissé, Acha, on va suivre bataille. Marbat qui est en train de faire le job. Ouais. En tout cas, on a deux lignes. Ceux qui défendent et ceux qui attaquent de l'autre côté. Toujours un but à zéro pour Giancarlo. Attention à Aldop. Ouais, Khalifa. Le tackle. Fadel. Tanyan. Ça y est, zoomal ma Fadel. Et tu coach bien. Coach bien. Limi expliqué. Aïe, mousse n'a pas expliqué. Mais affaire, je te dis, je ne sais pas si tu as fait. Fanyou, aïe, tableau. Tableau, champion. Fanyou. Waaw digo expliquer gune yi semay waaw semay la len don tegal ak sa ndokh yi mais finalement arbitre da sifflé wat musée barbat est mené on est à la 79 e kassa ngi ne ngandam gol la mais ñaari mass la gol pench ñaari mass la fa golu hein nous avons la touche de Bayo loin devant et le contrôle de la poitrine il va se retourner certes nous avons Diarra le centre au deuxième poteau s'il remet Gore Neymar la frappe écarté il doit nous faire du terrain qui va devoluer le gars Gore dans ses œuvres. Gore qu'est-ce qu'il est à l'aise sur ses dribbles nous avons le centre au deuxième poteau Diarra le contrôle donc il doit tech nous gagne corner mu djel en tout cas Marbat qui pousse et da Giancarlo qui continue à tenir l'assaut des verts et blancs de l'AS Marbat le corner c'est parti repoussé toujours repoussé c'est lu mi wax ni c'est ñu xlo gaay da melni amna lu gay def lo lu melne lu da ko roulé ginaaw ba Fadel Tandian di rectifier mom ces joueurs Fadel semble ne pas être Balan Jay ouais 74e Aïcha Le dégagement loin devant, contré, deuxième ballon. On va continuer l'assaut, le crochet intérieur, la passe en profondeur, l'échappée de Djibi. On va suivre. Djibi dans ses œuvres. Djibi, la passe en profondeur. Wadi Aina. Balanga Khamne Aina avec Mouyor Baldi Leout. Papa Djibi. Touré Bayo en bloqueur Diarra en dribbleur Chefal le yatal de Chefal pour son latéral on va revenir le crochet dindina ben dindi ñaar ñu tek ko mu résister et le dégagement c'est pas encore terminé Bayo le contrôle de Bayo Bayo la talonnade manqué Manqué. Okay.
Wame. Syekh Jarak Kisor Pur Gazal Jarak Kisor Pur Gazal Jarak Kisor Pur Gazal Menna kel kel shema Syekh Banu proposer Khanadu 3-2-5 Khana parce que tous les attaquants de l'AS Marwat sont dedans. Hein? Gazal est dedans, Papa est dedans, Gore Neymar est dedans, Bayo, Idem, hein? Hein? Et aussi Boyan. Donc ils sont là. Qu'est-ce qu'il nous met? Un 3-2-5 peut-être. Oui, un 3-2-5 Kay. Voilà, Ali Ndiaye guiso lol. Attaquant Marwat yep ngi ci Gore Neymar, Papa Sedi. Hein, Ahmed Gazal, Gazal, Bayo, mais également Bojan. Pour 2 milieux de terrain, en l'occurrence, Cheikh Falloir et Pape Sidy Samb. Et derrière, on a Khalifa. Ouais, peut-être Bayo va venir comme bloqueur. Vous faites qu'il y ait un ñak balbi. Vous faites qu'il y ait un ñak balbi. Bayo va venir comme bloqueur. Bayo qui se bat. Bayo. Arrêté de ci top nak pour jeli bal bi la touche wow all double way Jakarlo qui mène par 1-0 on est à la 76e minute la touche le devant à la lutte pour récupérer le cuir le crochet La passe en format talonnade, le centre bien réussi. Le crochet, l'enchaînement. Attention à un probable hold-up. Pape Sidy. Accroché. Alors, de Gédjela Lendautal, Montagnac. Dengay jëlale ndawtal mënta ñak ginaaw biñ ko tékké Pape Sidy mo jël coup franc bi Cheikh Fall ba jam moko dal ñu xol c'est parti dans la boîte repoussé la passe yi amul orjo liñ me garbé tax attention à un lob dorul day temporiser kon da ngay jema dindi yobale bal bi fat rep coup franc la Wafi Sohaib lo bon bal bi dudu Bay Ali Soublel nako Tola bari na fe Pape Sidy qui demande à ses partenaires de jouer devant Cherchez-le Il va rectifier tout le monde Un autre changement se prépare du côté de Giancarlo, qui mène par 1-0. On s'achemine tranquillement vers les 80e et poussière. Donc moins de 11 minutes à jouer au stade Al-Bourignay entre Marwat et Giancarlo. Giancarlo qui mène par 1-0. Giancarlo qui vient de très très loin. Si l'on compare ses résultats avec ses débuts. Le coup franc, un tout petit peu élevé, et ça va passer au-dessus de la barre. Un changement qui sera opéré, le dossard numéro 14 qui va céder sa place au dossard numéro 11. Le 11, c'est Diop, Ahmed Diop. Ahmed Diop qui va venir à la place du buteur. Oui, Nalé Laïdjar, Mougane Djégué.
me sort par le point le plus proche. Hein, de la ligne. À la boxe. Aïcha. Omar Badji avec Khalifa. Khalifa. Khalifa pour son partenaire dans l'axe acculé. Il va faire la passe et le dégagement. Loin devant. Loin esquivé. Et le gardien de but. Il s'empare du cuir sans difficulté. Parce que il mène par 1-0. Alors que Blaise continue à tenir bon. Après quelques... Je se fourrais avec l'arbitre. Après la faute sanctionnée, Khalifa qui va joindre son gardien de but, Bouka, qui va dégager loin devant. Suivant la déviation de Ghazal. Perte de balle. Perte de balle et on va revenir rapidement. Extérieur du pied. Et la bonne passe. La bonne passe. Il n'y a pas position de jeu. Le premier balle de Diop à mettre. Ahmed dans ses œuvres, la passe d'Ahmed réussit. Lolo Moy demeure le double, le crochet intérieur. Il me segue le balbe yag fal. Khalifa qui va joindre personne sinon Moy Papa Djibi, Pap Sidi. Moy dem ba ci souf pour jeli balbi. Cheikh Falwar. Sortie de balbi lañuy wajal ñom Omar Bat ñing koy goto gore Neymar momit ñewna ba ci souf jël ci ko. Pap Sidi dans ses œuvres. Gore Neymar, le as de Gore Neymar pour jouer avec Blaise. Blaise pour Gore pour Ghazal. C'est pas encore terminé. Ghazal à la lutte. Le crochet de Ghazal pour Diel Balbi. La talonnade réussie et sans danger. Sans danger. Bifas de Zemom Lernon. Depuis d'avance. Am Yay Indil Job Yobul Tielma. Finalement. Moumoudié voilà ovationné par ses supporters bal bobu ci terrain bi la jëm bobu ci terrain bi la jëm bal bobu ci terrain bi la jëm bal bobu ci terrain bi la jëm bal bobu ci terrain bi la jëm aja ñu xol avec le gardien de but way sans difficulté ñu xolani way on est à la 83e wala ben changement lay def ci wat ben changement la balle di def ci nonu. On va peut-être voir. Nous Hollandi. Bayo percuté. Et il va obtenir gain de cause. Ah mais Marwa, c'est fal, c'est un coup franc. Il a dit qu'il n'y a pas de coup franc. Hein? Non. Donawar ah woro bay sama nin de cheikh c'est pas nak aja di 11 contre 11 ñepp wacc nan ñepp yegg nan c'est parti dans la boîte day lila bal bi daf ko recc encore une fois qui va venir ñu xolandi le dossard numéro 15 Tofa Sadio le dégagement contré par Khalifa c'est pas encore terminé Cheikh Fall qui esquive le cuir bala ñukoy wéx ci kaw ndax tan ki dañu jogondo la passe contré on va jouer avec Abdou Khadir qui s'est jeté comme un meurtre de faim c'est pas encore terminé déviation de la tête. On remet dans la boîte pour Gore Neymar de l'autre côté. Kinga Kanyaou, Mbadou le Dindi derrière, dépasse Bopam, la frappe de Gore Neymar. Trop élevé. Le changement, il semble se tordre de douleur.
alors qu'il est applaudi par les supporters. Baye Modou Sow. Baye Modou Sow qui cède sa place. 5 minutes à jouer, ou bien 6, sans compter le temps additionnel. Pour le moment, 1-0, Gazal. La récupération pour Pape Sidi, le tacle propre. Gazal à nouveau, après être servi par Serina qui a esquivé le cuir. Heureusement, on va suivre Gore Neymar. Gore dans ses œuvres. Gore en passement de jambe. Gore Neymar le centre. C'est sorti. C'est sorti. Alors que Gazal. Melon Nene qui fait l'essentiel, Fofu. Nous avons fait Indy Watt. Nena ko tegal tengeze la ko wax l'équipe de Pape Djibi Cissé est devant. Le mauvais dégagement du gardien de but mais qui n'inquiétera guère Touré ndax da cey jot il est à l'aise momit ci ay ci crochet yi ndax ku jakarlo mom bu lako fegge da ngay jaar gosse mu jaar droite. Tout comme Gore Neymar. Yow mo xol affaire yi mo xol xalaatu gaay yi dimbir mi wala gaay ñew bu ntay ñu wi ay gaay wala ñu xalaat ñu xol di leen aja. Hollandi le coup franc quelques minutes grignoté wa dara di ñom ñinga na leen di tangalu en blanc di dana ci baax sax ndax xamna buñ sumé ko won pour nga xamé leen ak jëru marbadi nga xawa jafé en deuxième heure on aura dara ci teranga na leer nañ teranga qui vient de très loin après la défaite face à Medina Salam. Ñu xol Gore Neymar la ta ñu ñew ci lool ndax wessna Gore dans ses œuvres. Gore qui lève la tête, la passe de Gore contré ci Blaise la doon dem. Cheikh Fall qui va gagner le duel. Gazal, l'arbitre laisse l'avantage, pour Bayo repoussé et Chakaw loko dor wañ neena ñen def ndank li dugaluko. Le médical du côté de Giancarlo. Eskay. Salut Cham, bonsoir. Waouh, match bi amna niveau. Waye Giancarlo, bravo. Mouna Albouri Fall. Et vous Michel Chela, bonsoir. Salut Cham. Amezal journal ado ligue job Omar Bao également Nar Fallu bonsoir kadimine salam je pense bien que cadet de kendo moko deur hein galay kasse bonsoir Mbaye Sey Ibou Michel Momo Diagne Mohamed Mohamedoul Mansour Cissé Matar. Aja kon on va à Mohamed Diey way tenga bay ñu wax dara ji dekk aja mu ñalu donc Khadim Boj bonsoir à toi aussi ak gaay nek ci direct bi yep ñing leen di bégué c'est ça Marwan Emene on est dans les ultimes moments on va légui nak ñi ngi bousculer l'adversaire ni pousse ni acculé
mais ils n'ont pas encore gain de cause. Parce que mené par 1-0 ici au Stade Albouri Ndiaye. Le coup de sifflet a retenti. Oui, donnant ainsi l'occasion au gardien de but de pouvoir dégager loin de moi. 7 minutes de temps additionnel. 7 minutes de temps additionnel. Pour le moment, 1-0. C'est parti dans la boîte. Ghazal, est-ce qu'il va le remettre? Et c'est dedans. Position de jeu. Position de jeu signalée. Nous devons voir. Même le président. Acha. C'est pas encore terminé. On va suivre. Oui, accrochage. Il y a faute. Boy nena nga jox ko. Gazal delo len. Acha. Arbitre bi mi ngi wax ak Mabil Cheikh est en train de calmer les siens. C'est pas encore terminé, certes le dégagement, c'est pas encore terminé à nouveau. On va jouer avec Tafa Sadio, repoussé, tic, yeah, coup franc, attention, cherche-le Nena Boubakaï. Cheikh Nena Boubakaï jox nako ñetti xibar yi mu wara yeggale ji le coup sifflé a retenti. Bobu du pour niser ni wajé sé la Cheikh Fall tay ñew na ci coup franc bi Cheikh Fall war way mais est-ce que Pape Sidy va lui laisser le soin? Espérons le voir. Boban la karal waaw dagal lolou en way mako bobu amna solo. Cheikh Fall qui va s'élancer, la main ferme du gardien de but. Cheikh namon na la faté won na sa yay dor. Bien joué petit, ka taw lako dor. Samba jogol lek nak bu liak pomi. Aw dougal rek bu liak fami ginaaw li sorina han ginaaw aj bu rafet bi bul koto mu jogal rek ñu sé acha Cheikh Fall dans ses œuvres le crochet il a réussi. Il va avoir un nouveau faute. Il y aura un nouveau faute. Ñu xol le centre qui va venir des pieds de Pape Sidy Samb. Pape Sidy repoussé. Ghazal qui a un tout petit peu glissé avec son pied gauche. Il va se retourner. Gazi pour Tafa Sadio. Tafa pour Gore Neymar. Boko fa ñaké musiba am. Boko fa ñaké heureusement. Kawaji bëggul bal bi daf ko ba daxat. Buka qui a joué mais peut-être ci kaw la ko waron jaarale jaaru fa contré. On va revenir avec Blaise. Pape Sidy dans ses œuvres. Pape Sidy la passe loin devant pour Ghazal. Le contrôle hors-jeu signalé et quand il y a hors-jeu de signaler
Ah. Adieu. On s'approche petit à petit de la fin. Wow. On s'approche petit à petit de la fin. Oui. Aja, on s'approche petit à petit de la fin. Aja. Nous allons dire le dégagement dévié par qui on remet dans la boîte. On va suivre. Kherbi de Tikaoula. La réplique toujours, oui, le dégagement pour écarter le danger. Pour écarter le danger. La réplique pour écarter le danger. C'est pas terminé. Suivons Goro Neymar. Goro dans ses œuvres. Le centre. Oh. Le centre de Goro. Acha, balegi. Djexagul ndax Goro akoy indi wat. Le dégagement de Touré. Le dégagement de Touré face à Gazal. Daf ko mbuk souf rek pour jox ko Papsidi. Papsidi pour Gazal. Bonne protection de balle de Gazal. Koufra à nouveau. Koufra. Peut-être. Koufra. Pour Papsidi. Ouais, on croise les doigts du côté de Marbas. Et repoussé. Corner. Corner sans doute. On croise les droits également du côté de Giancarlo. Oui, les fins de match sont assez douloureux. D'ici et d'ailleurs, c'est ce qu'ils qui veulent préserver le score et c'est ce qu'ils qui veulent revenir au score. Ni de Khetch, ni de Thier. Le centre de Papsidi au point penalty. Repoussé Bouka, le gardien de but. Gazal, c'est pas encore terminé. Gazal qui remet dans la boîte le contrôle. Et. Penalty. La ilaha illallah. Arbitre le penalty là. On va revenir. Le ligne de VAR. Calocol. De loin, de loin. Nicole Till. Ben, non, Benenbi. Mais avec Boulen, j'ai l'aide. Barbi pour une l'aide. Il y a une école tribune. Nicole. Anamou. Nagalel. Voilà mon dernier cri. Nagalni. Gaay mo koy laaj bi ak benen ba telephone jaare fi wa peut-être ay prolongation day am wala do Pelanti pour les verts et blancs de l'AC Marbat aux ultimes moments de ce match. Aux ultimes moments de ce match, alors que Giancarlo a jusque-là tenu bon. Giancarlo a juste pas le mot de Pelanti. Doro Gunko. Attendons de voir. Attendons de voir qu'est-ce qu'il va tirer. Marqué Rasoulaï, Nyakla Amour. Ça c'est Alun, le technicien. On va voir. Oui. Alouba. Thank you.
waji de arbitre wul mom mi ngi ñew ay gol bi la ñeppi tacc gol bi la ñeppi waxal kan moy door nak lañu xol est ce khalifa la est ce cheikh fall war la da ñu sé fa we tuti aja wetuti ga saay ngoy dag arbitre dañu bëgg xol neena ñoy donc légui rek bu yembé mu sanni len ko comme ça commentaire yi mëna continuer ndax match bi mom day jeex ah match day jeex mais commentaire yi mëna wéndi ba sa su len safé waaw na wendi ba sa yule nexe aicha qui est qui va tirer je pense que qui nene ngeen genn ci arc bi ñu xolandi kuy door il est actuellement 20h36 on croise les doigts partout où ce match se suit. Si vous êtes bien sûr supporter de l'AS Marbat, actuellement ils sont menés par 1-0 et ils ont les cartes en main, les verts et blancs de l'AS Marbat, parce que un penalty leur est accordé aux ultimes moments de ce match pour revenir au score après que Bayo a reçu un coup en pleine surface. Maintenant, tout repose sur les pieds également de Samba Fall, le gardien de but du côté de Giancarlo, qui a été magistral jusqu'à présent en repoussant successivement beaucoup de tirs, notamment celui de Cheikh Fall War à coup franc. Et les hauts, les ya, les ou des supporters, soit pour galvaniser le tireur, soit pour le décourager. Le face à face de Samba Pap Sidi. Pap Sidi qui s'arrête, le tchouki-tchouki de Pap Sidi raté! Et c'est terminé! L'homme du match! Samba Fall! Mais, Cordior l'avait prédit, hein? Boulem, oui! Soyez Boulem! Avant, il dormait, on a le verre de Mandjomina. C'est terminé. Marbat s'incline devant les rouges et blancs de Giancarlo. Attention à ce Giancarlo qui vient de très très loin. Giancarlo qui vient de très très loin. Après ses débuts. Plus ou moins difficile, ils ont réussi à s'imposer devant Marbat. Mande djel ma dama xom fay waxe momo dara door kay do wax fal. Mais attention, c'est mon tabouret l'air. On a l'air, mon gars, j'ai le coude. Aïcha, on va s'en arrêter là en attendant ce qu'il est venu. Comme ça, nous... Dieu, un petit coup. La suite des événements.